Danny Dan. Carré. T'as le carré. C'est beau. Avec Black Vénère. Black Vénère. Le qui... Ah, en fait, pourquoi on n'avait pas fait ça quand il était venu la première fois? C'est ton épreuve. Salut la famille, c'est Mehdi Maizi et tu vas bientôt savoir qui est le plus grand rappeur français, francophone, puisque tu regardes Rap Jeu, le meilleur jeu rap au monde jusqu'à preuve du contraire. Cette semaine, casting très offensif, deux équipes de foot avec uniquement des attaquants, des renards des surfaces. D'un côté, on a une team corporate. Un mec qui va bientôt réussir à être là plus souvent que moi, mais c'est pas grave, ça nous fait toujours plaisir, on a toujours des épisodes légendaires. Il a peut-être racheté ta carrière sans que tu le saches dans le rap. C'est lui qui arrive si tu demandes à parler au directeur, le seul, l'unique, le CEO. Sa troisième fois ici, c'est donc le coup du chapeau. Merci d'applaudir Fianso, s'il vous plaît. Fianso d'ailleurs qui a sorti, au moment où vous regardez l'émission, la semaine dernière, son nouvel album, La Direction. Très belle photo. La Didi. On peut d'ailleurs tester les buzzers maintenant si vous voulez, juste pour celui-là. Voilà. Attends. Appelez-moi le directeur. Il est venu avec un de ses consiglieri d'Affranchi Musique, un mec qui a la dalle, qui vient pour tout bouffer, que ce soit ta prod ou une assiette kebab, supplément cheeseburger et sauce gruyère sur le teco. Si vous avez compris ce que je viens de dire, vous êtes comme lui, lyonnais. Faisons un triomphe pour The Guerre. De l'autre côté, deux mecs qui sont d'ailleurs déjà venus, tous les deux, dans Rap Jeu. Des mecs qui vont vite, un peu comme Mbappé et Dembélé, et qui ensemble, jamais de doute. Alors d'un côté, on a l'ailier dribbleur du FC Antivice, même si je sais qu'il jouait plutôt numéro 10. Un vrai mec de Sevran, vu qu'il est fort au foot et en rap. Il a dit non à la carrière sportive, mais oui au rap et à la rue. Et après, j'ai pas vu ce qu'on m'a rajouté. Et nous aussi, et pardon, on me l'a rajouté à l'équipe. T'es un fou, j'aurais voulu être un fouteux, moi. C'est pas vrai, ça. Et nous aussi, on dit oui au retour de D.A.U.Z.I. dans Rap Jeu. Et bien fait. Alors, avec lui, quelqu'un qui est déjà venu avec Uzi. Là, tu reviens avec Da-Uzi. La prochaine fois, peut-être qu'il viendra avec l'Illusi Vert. Tout est possible. Une des fiertés de la Ferté-sous-Jouarre dans la 77, il a commencé comme un acharné. Aujourd'hui, il continue en disant la vérité. Et je suis, je vous le dis, très jaloux de ses cheveux. ISK est avec nous et personne ne pourra dire le contraire. Merci d'être là. Attends, on n'a pas testé notre buzzer. Classique. Les attaquants, le PDG des cheveux dans le vent et un lyonnais, voilà. Rap Jeu, c'est maintenant et c'est toujours en tendance et toujours dans la bonne direction. Fianso, je sais que tu l'as celle-là. Ensemble. Alors, première question avant de commencer, on choisit le nom des équipes. Si vous pouviez être quelqu'un pendant une autre journée, vous aimeriez être qui? Ça peut être quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif. Marez, juste pour hier soir. Oh, arrête ma gueule. Marez? Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Très bien. Quelqu'un d'autre, on va contre les deux, attends, on va cogiter. Ok, est-ce que vous avez quelqu'un à vous? On va cogiter ma gueule, arrête. Qui on aurait aimé? Ouais. Réel ou fictif hein. J'aimerais bien être à la place de Guardiola. Guardiola? Ouais, vas-y. Vas-y, on est ok, très bien. Alors ici, on aura les Infinity Guardiola. Les Guardiola Infinity, pardon, autant pour moi. Guardiola nous a battus, c'est pas grave, bien joué. De votre côté? Napoléon. La carte Napoléon? C'est un très joli nom. C'est très joli. Rap Jeu, c'est parti. Ah, mais je crois leur blase est mieux que le nôtre, ma gueule. Il est lourd. Là, je vois les blases et tout, je crois que c'est mieux. C'est trop tard. Ce gars, faut qu'on parle d'un truc. Parce que je suis allé à Lyon il y a pas longtemps. Ouais. C'est quoi ce que vous appelez la sauce gruyère? La sauce gruyère, c'est la sauce mythique, emblématique de Lyon. Donc dans tous les tacos, en général, ils mettent une sauce qui s'appelle la sauce gruyère. C'est une sauce beurrée, façon. Tu vois ce que je veux dire? Une sauce beurrée, façon. Ok, je vois pas du tout. Elle est blanche un petit peu, c'est beurré. Je peux pas te dire, moi, je suis pas cuisinier, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans le sens où c'est une sauce beurrée, elle est blanche, c'est une sauce gruyère, ça s'appelle. Elle s'appelle comme ça. Moi, j'ai une juste ville, goûté, j'ai jamais fait. Une ville fascinante. Une ville plus que fascinante, parce que tous ceux, quand les Lyonnais ils vont à l'extérieur, ils cherchent la sauce gruyère, il n'y en a pas. C'est ça. Les gens, quand ils viennent chez nous, on leur fait goûter la sauce gruyère. Ils kiffent de fou. Ils essaient d'aller à l'extérieur. Ils vont chercher la sauce gruyère. Mais il n'y a pas. Donc il faut venir où pour manger la sauce gruyère? À Lyon. Soit au Pacha, soit à Mamet, ce que tu veux. Mais si c'est pas à Lyon, tu trouveras jamais de sauce gruyère, frérot. C'est dit. On va commencer tranquille avec une épreuve que j'aime beaucoup et qu'on ne fait pas assez, c'est le bon tarot. Je vais vous poser des questions et la réponse sera forcément un chiffre, puisque c'est important les chiffres, on le sait dans le rap. Si vous avez le nombre exact, la bonne réponse c'est 5 points, sinon le plus proche, 3 points. Attention! Il faut être le plus proche, mais il faut être en dessous. Il ne faut pas dépasser le bon chiffre. C'est comme ça, c'est un gage qu'on donne. Par exemple, si je vous dis combien d'albums a sorti Lil Wayne, tu me dis 12, tu me dis 8, 13, voilà. Si je suis inférieur mais que je me rapproche du juste prix. Voilà. Si la bonne réponse on est dans 11, ce genre de référence. C'est on, voilà, exactement. T'as tout compris. C'est bon? Allons-y. Ça va être très faut simple. Buzzer. Il faut écrire sur des ardoises que Maître Rodka va nous apporter.
Alors on commence avec la première question. Combien d'albums a vendu Jul à 10 000 près? Sachant qu'on a les chiffres jusqu'à 2020. On compte pas 2021 parce qu'il sort 4 albums par an, voilà. Vas-y. Vous avez un chiffre déjà? Ouais. Ok. Indice, c'est le plus grand vendeur de l'histoire du rap français. T'es sûr? C'est déjà très sérieux. Les mecs ne blaguent pas avec les chiffres ici. Vas-y, c'est carré. Ouais, c'est bon. Laisse 7. Est-ce que vous pouvez tous les deux montrer les ardoises? 1 400 000 ici. Et là, la bonne réponse, c'est 4 590 000. Wow. C'est énorme. C'est donc vous qui êtes les plus proches. Prends pour vous avec 3,7 millions, vous aurez même pu aller encore plus haut. C'est carré. Ça, c'est que tu vois, j'ai calculé au nombre de diamants. Ah, vous étiez loin, les frères. C'est Jul. C'est moi, c'est pas lui. J'étais sur dit plus. J'aurais dit, j'étais dans les 1 million, c'est beaucoup déjà. Mais bien sûr. Ah ouais, 1 million, c'est déjà. Mais moi, je pensais pas que c'était autant. Deuxième question. Vous le savez peut-être, l'illusiver s'est fait greffer un énorme diamant sur le front. À votre avis, combien? Quelle est la valeur de ce bijou? Il a déjà la réponse, direct, bam, bam, bam. Très bien, très bien, attention. Putain, je l'ai mal écrit, je la renote. Tiens, je te la montre si tu veux. Non, bon, je dis rien, sinon je vais t'influencer. Ok. C'est bon? Ouais. Parce qu'on peut montrer les ardoises. C'est un quoi? 21 millions. 21, et là, 28 millions. La bonne réponse, c'est en dollars. 24 millions de dollars. Ouais, bonne réponse ici, 3 points. Bien, ouais, je m'en vais. Qu'est-ce qu'on en pense de ce diamant? Le diamant ici. Aucun commentaire. Ok, très bien. C'est de la connerie. C'est de la connerie. C'est de la connerie tout ça. Mais arrêtez de dire que vous allez lui voler parce que vous savez pas à qui le micra. Donc c'est de la connerie, tu vois, c'est grave. Les rappeurs US ont un goût prononcé pour le luxe. Mais le boss, ça restera à jamais Russell Simmons, l'un des patrons et fondateurs du label Def Jam, parce que lui, bah, il s'est carrément payé des toilettes en or massif. Mais après, il a divorcé. Donc on est en droit de se poser la question, qui a eu la garde de ces toilettes? Si on se fie au site de Lyrix officiel, dans le son Aristocrate de Puff l'Enfoiré, combien de fois est prononcé le mot Menders? Combien de fois le mot Menders est prononcé? Évidemment, si Chuenso répond mal, ça dépend. Normal. À votre avis? Il compte vraiment, lui, il se refait le morceau. Vas-y, il y a un temps à limite. Ouais, ouais, il faut nous donner une réponse. Au moins 50 fois. Allez, 45 fois. 45, c'est votre réponse. Ici, vous avez mis 20. T'es mal, j'ai parlé à voix haute, il a effacé le frère. Sans la vie de ma mère. Non, j'ai parlé à voix haute, il a effacé le frère. J'avais vu votre réponse avant. Vous avez vu la réponse avant, c'était 10. Vous avez mis 45. La bonne réponse, c'est 21. Alors, j'avais, parce que j'étais pas beaucoup moins. Donc, c'est de Messenger. C'est 21. Ah ouais, il dit quoi? Parce qu'après, il dit pas dans le deuxième couplet. Il dit que Menders. Frérot, vous voulez qu'on compte tout de suite là? J'aimerais bien qu'on compte. Vous faites pas influencer, donnez-nous le point. Un frérot, casse pas ta tête. Juste au refrain, il y a plus de 21. Il y en a 4 sur le refrain. C'est con parce qu'à la fin, la dernière mesure du refrain, il dit Menders. Il en dit 3 juste à la fin sur une seule mesure. C'est quoi le refrain déjà? Mais j'ai produit ce titre, putain, je vous dis, il y a plus de 40 fois. Écoutez. Oh, mais Rap Genius. Mais Rap Genius, ma gueule. Sois sérieux. Des respects à Rap Genius. Écoutez. Ça y est, je commence à... Ça y est, c'est pas là, bon. Le rap jeu a commencé. Le rap jeu a commencé. Vas-y, ok. En attendant, on considérera que les points sont ici, puisque c'est injuste. Merci. Vous le savez bien. Ça me dérange pas. En quelle année, question puriste, est sorti Rapper's Delight, qui est souvent considéré comme le premier son tube de rap Rapper's Delight, de Sugar Hill Gang. C'est du rap américain. Donnez une date, une année. Ouais, ça, c'est des trucs, j'étais pas né. Moi non plus, j'étais pas né. C'est pour te dire, ouais. C'est très vieux. Le premier titre de rap de l'histoire? Le premier tube. C'est le premier morceau qui a été considéré comme un tube. Voilà. Pas le premier morceau, mais... Vas-y. Alors, on a ici... Enfin, ouais, 80... 68! Tu m'as dit, c'était vieux, cousin. Alors, est-ce qu'on peut le montrer à la caméra? Non, faut juste qu'on voit. Il n'y avait pas de rap en 68. C'est dur, quoi. Après la guerre, ça se trouve, il s'était remonté, ma gueule. Il s'était remonté, ils avaient envie de dire des trucs, ma gueule. C'était. À la base, je voulais mettre 80, mais c'est toi, tu m'as dit, c'était vraiment vieux, vas-y, lâche-toi. Mais t'aurais été bon, parce que c'est 79. T'as vu? C'est 3 points ici. Pourquoi? Il a mis 80, 79, il est au-dessus. Il est au-dessus, change pas les règles. Mais là, c'est trop loin, zinc. Eh, il est au-dessus, frère. Mais non, t'as dit 1700 trucs. Il a dit celui qui est au-dessus du truc. Oui, il a pas le point, mais t'es trop loin, poto. Tu as 10 points. Sur mes dates, j'avais oublié de dire, c'est bon, c'est calcé. Non, je suis pas corda, moi. Voilà, je suis pas corda. Ah, c'est la première fois que vous avez triché là, vous trichez encore. Je tiens à dire, il triche. En tout cas, t'as un très beau survêt de Boca Junior. Merci. Dédicace à Riquelme, Juan Roman pour les connaisseurs. Bien sûr, un vrai numéro 10. Et merci bien. Fin de la première épreuve, on va passer aux cartes mystères, cartes puristes, messieurs. On va commencer avec vous. Carte puriste, c'est des questions sur le rap. Si vous répondez bien, vous avez des points. Si vous répondez mal, il se passe rien. Carte mystère, tout peut se passer. Point en plus, point en moins, voilà. Des points en plus, il n'y a pas de questions. Ouais. Ma gueule, l'émission s'appelle Rap Jeu, ma gueule. Ouais, ouais, j'ai capté. T'as capté. Tu choisis quoi? Vous choisissez puriste ou mystère? Puriste. Citez deux noms de membres du groupe La Rumeur. La Rumeur? Ah, j'ai...
Cazet. Non, non, Cazet, non, non, frère. Elle était proche, mais elle était pas dans. Est-ce que je peux poser une question? Attends, calme-toi. Oh ouais, j'avoue, ma gueule, moi, j'avoue, je sais pas. T'en as pas? Il y a un mec qui a, voilà. Il y a un mec qui a un cheveu sur la langue, un petit peu. Ça souffle là-bas. Très beau survêt aussi également, je tiens à le dire. La rumeur, ma gueule, j'avoue, je sais même. Eh, il y avait Ekoué. Oui. Il y avait Ekoué. La mec, c'est vrai. Tu m'en dis un deuxième. Attends, on va pas parler de la ligne de touche. La ligne de touche, il m'a même pas dit Ekoué. Justement, il essayait de me dire Zek. Je sais pas, c'était quoi. Je crois que c'était le mec. C'est qui le mec de Necrom là? C'est quoi Ramos? C'était qui? Parce que j'entendais Ekoué, moi là-bas. J'entendais Ekoué, ma gueule. C'est pas Ekoué, Ramos. Elle t'envoyait des grands bras. Il n'y a pas Ekoué. Ekoué, c'était pas mal, mais c'était. Il y avait Amé. Le bavard. Ekoué, le bavard, Mourad. Si on va sur les producteurs Soul J ou Kool M. T'avais Ekoué, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Écoute, on peut avoir 5 points au moins. On peut avoir 2 points. Voilà, je la remarque, c'est de très beaux films aujourd'hui. Sur la production de cinéma. Exactement. Dernier Parisien notamment. Avec Reda Kateb. Énorme référence. Énorme référence. Pour vous, que des questions puristes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu le veux. Peut-être que je ne veux pas. Oui, mais il m'a dit, je veux que des questions puristes. Vous voulez mystère ou pas? T'as tellement envie de me donner puriste que vas-y, dans vos puristes. Je suis content. Finissez cette phrase. Assis sur un banc, rien d'autre à faire, on boit de la bière. On siffle les gazières qui n'ont pas de frères. Moi, ça me fait vibrer, en fait. Là, c'est 10 points. Tu donnes le morceau pour le kiff. Demain, c'est loin, Yann. Ombres et lumière. Non, l'école du micro d'argent. L'école du micro d'argent. On coupera. On coupera. Je veux que tu brilles aujourd'hui. Très bien, 10 points. C'était la première épreuve. On passe, du coup, à la deuxième épreuve, messieurs. Le mytho, pas mytho. Alors, deuxième épreuve, je rappelle qu'il y a 16 à 8, mais tout est possible, évidemment. Mytho, pas mytho, je vais vous donner des informations, à vous de me dire si elles sont vraies ou fausses. Tout simplement, on buzz. Okay. C'est clair? La rappeuse Cazet, dont tu parlais plus tôt, a une statue à son effigie en Martinique. C'est faux. C'est ici? Donc tu m'avais dit pardon? C'est faux. Absolument, 5 points pour vous. C'est faux. Merci. Merci, Escar. De rien. Emmanuel Macron, coutumier du fait, a déjà cité une rime de Jul dans un de ses discours sans s'en rendre compte. C'est vrai. C'est faux. Putain, il a fait Ayam. Et donc, si je réponds que c'est faux, c'est pas. On s'en fait pas. Ah, ouais. Ça, on fait pas. Celui qui buzz en premier. Exactement. Question en hommage à quelqu'un qui nous a quittés récemment, DMX. La première fois que DMX est allé en prison, c'est pour un vol dans une fourrière, mais pas pour chourer une voiture. Il a volé le chien qui gardait les lieux. C'est vrai. 5 points. Absolument, DMX a toujours adoré les chiens, c'est pas une légende. Et les motos. Et voler des trucs. DMX nous a quittés le mois dernier, c'était un très très grand rappeur. Et c'est vrai que parfois la très jeune génération d'auditeurs peut sous-estimer son importance dans la musique. Alors que même un Pop Smoke revendiquait son influence. Au point que dans une émission, un intervieweur avait dit à DMX qu'il considérait Pop Smoke comme le fils caché qu'il aurait eu avec 50 Cent. Ce à quoi le rappeur a répondu, ok, mais c'est 50 qui fait la maman. C'était un bon gars, DMX. Le surnom de Birdman est Baby, parce qu'à sa naissance, il n'avait pas de prénom pendant un mois. Ses parents ont eu la flemme d'aller à la mairie, et donc il l'appelait Bébé. Je suis sûr que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. 5 points. Une des plus grandes fans de Da Uzi est Lara Fabian. C'est vrai. Dédicace à Lara. On est ensemble, ça vient se passer, ça sonne italien de Guédin. Et c'est vrai. C'est une question, ça. Ah, c'était une information. Ah, c'était une question. Bien joué. Mets-toi de notre côté, check moi, mon gars. Je suis agent double. Bien joué. C'est ça le coup de mon cœur. Est-ce qu'on peut rappeler, c'est vrai qu'elle t'a envoyé un message. Ouais, dédicace à Lara. Merci. Pour toi, Fianso, entre rap et cinéma, l'acteur Daniel Auteuil a déjà joué avec des rappeurs français West Coast. C'est faux. Et non, c'est vrai. Pas mytho, il a une scène avec Bandana Music, Papillon et Papillon. Le Foulala. Papillon. Pour le film 15 ans et demi. Bandana, remets toujours ton bandana. Excusez-moi pour ça. Grosse dédicace pour à Fabrice. Ça, je mets 2 points. Grosse dédicace à Fabrice, on t'embrasse, Papillon. Exactement. Plein de bisous. Quel frérot. 50 Cent possède une chaîne de magasins discount où tous les produits sont vendus à 50 centimes. C'est vrai. Ben c'est faux. Non. C'est une journée, t'as capté. Chief Keef a déjà été en clash avec la chanteuse pop Katy Perry. Ça c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Bah ouais, t'as vu, ils sont baisés les kangris. Faut que des trucs de baisers. Tu regardes que à droite. Je te jure c'est là. Je te jure c'est là. J'ai une oreillette. Mais là-bas, toi aussi. N'oublie pas ce que tu viens de faire. Alpha 520 a déjà été invité au ministère de la Culture au Sénégal, mais a décliné l'invitation. C'est vrai. Mytho. Même si ça lui ressemble voilà. Bien, mais non, c'est fou. J'allais dire non, moi. Donc tu peux me donner le point. Non. The Game, rappeur californien, a déjà pleuré en pleine interview. Oui, c'est vrai. Absolument. C'est vrai. Il parlait dans l'histoire avec 50 Cent. Alors on me dit que non. Il parlait du meurtre de Sean Bell par la police américaine et du manque d'engagement des rappeurs par rapport à ça. Peu importe. C'est ça pour toi. 28. À 28. L'égalité. Mais non, mais j'avais 28 il y a 2 secondes, frère. Rajoute-moi les points. Non. Je suis sérieux. Non, c'est la corruption. J'ai regardé, il y avait 28. J'avais 28. T'étais à 23 avant. T'étais à 23. De ma mère. Alors.
On rappelle que la direction est sortie il y a une semaine. C'est bon ? Tout on s'est oublié. Tout ça pour ça. Alors, carte mystère ou carte puriste ? Vas-y, choisis-toi, frérot. Moi, t'es tranquille. Vas-y, on a même pas vu c'est quoi le mystère. Prenez le mystère, les gars. Mystère. Ce petit te fais ambiancer. J'ai flas la rage sur le camp, putain. Non, tranquille, mystère, frérot. Mais vas-y, il fait ça depuis qu'il a 8 ans, lui. Faut pas l'écouter. La question n'est pas sortie. Vas-y, le bonus. Face à l'enfoiré, vous faites des bangers en utilisant 3 mots depuis 3 ans alors que vous savez kicker. C'est admirable. Plus 10 points. Alors ? J'étais pas prêt, voilà. Vas-y, envoie un mystère. La chance du débutant. J'étais pas prêt. Envoie un mystère, envoie un mystère. Ouais. Tu vas pas aimer ce que je veux dire, mais voilà. Malus, Paris Saint-Germain. Tout est contre toi, là. Sur le papier, très fort, mais manque de cohésion d'équipe dans les moments importants. Moins 10 points. Voilà, le G a bien joué. Ouais, non, j'avoue, c'est merde. C'est carré. Juste pour rien, juste pour rien. Pardon, c'est un peu... Épreuve suivante. L'épreuve des enchères, c'est tout de suite. Je rappelle le principe de l'épreuve. Je vais vous donner un thème. Par exemple, rappeur avec un cheveu sur la langue. Ce sera pas ça. Vous allez me dire, je peux en citer 5. Qu'est-ce que t'as avec les cheveux sur la langue aujourd'hui, frérot ? C'est la deuxième fois que tu le dis. Voilà. Parce que c'est un complexe. Voilà. Je vous le dis, à 34 ans, je me livre. Je vous dire, je peux en citer 5, je peux en citer 10, etc. Jusqu'à ce qu'une équipe remporte les enchères. Là, elle aura une minute pour me citer, par exemple, 15 rappeurs avec un cheveu sur la langue. Si elle y arrive, 15 points. Pour elle, s'il n'y arrive pas, 15 points pour l'autre équipe. Le thème du jour est le suivant. Il me faut des albums dont le titre, c'est uniquement un seul mot. Par exemple, Panthéon. Calf de Damso ne serait pas accepté parce que c'est un acronyme, ça veut dire plusieurs mots. Qui aime, like, follow. On accepte par contre les articles devant. La direction ou la vérité, ça marche. Pas la vérité, c'est vérité. Frère. Non mais si ça s'appelait la vérité. Imagine demain je sors un album, je l'appelle La Vérité, il peut être cité. Mais effectivement, l'album d'ISK qui sort aujourd'hui même s'appelle Vérité. Voilà, merci bien. Un mot globalement, article accepté. Alors on commence avec vous, comme vous avez un léger retard, un premier chiffre, vous me dites un chiffre. Vas-y, on va dire 5. Allez, 10. Ça passe à 10, ça double. 15. Ouais. T'es pas sûr de ce que tu dis. Ouais, tu vois. Je monte pas. Je suis sûr. Si je suis pas sûr, laisse-moi aller faire tout de suite. T'es pas sûr. Là, et là, ça se défile. Hein. Wallah, je suis sûr. 17. Et encore, je vais dans l'inconnu. Je vais dans l'inconnu. 18, je peux. 18. 18. On a combien de points d'avance ? C'est ce que Zoguer écrit depuis tout à l'heure. On a combien de points d'avance ? J'essaie de d'écrire mes pensées. Ah, d'accord. C'est l'horreur. Pas le droit de faire ça. Parce que non, sinon, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Dis wallah. Mais moi, sinon, j'aurais déjà commencé. Moi, jamais dit, moi. C'est un poète, il écrit, voilà. Ah, non, Zama, t'allais pas écrire, là. Mais c'est des notes, cousin. On est à 18, là. Ils sont à 18. Vous lassez ou pas ? 18, c'est costaud déjà, en une minute. Mais de ouf. En une minute. 19. Oh, attends, 19. Voilà. 20. J'avais. Garde. Ok. 20 titres d'album dont le titre c'est un seul mot. Ouais. C'est parti. Maintenant. Pur. Vérité. La direction. Les autres. Ripro. Oui. Ripro 2. Ripro 3. Mexico. Architecte. Ouais. On est à Ah oui, Ripro ça marche pas, c'est comme Calf. Comment ça ? Comment ça ? Enchaînez. Vas-y. Je l'avais c'est dit. C'est un acronyme. Exactement. Salmon, ah non, c'est ça fait 2 mois. Ouais. On est à 6. Insolent. Oui. Neverland. Oui. Destin. Oui. Destin. Destin. Destin, y'a quoi de. MILS, non, du coup. Dans l'arène, ça compte ? Non, ça compte pas. Non. Impliqué ! Oui ! Allez, encore 10 ! Non, on est à 12 là. 13 même. Mais non, non, les ripros, on va mettre les ripros. Vous laissez pas des. Vous êtes grave sur les comptes, hein. Le jeu. Vous êtes vraiment sur les comptes, quoi. Pas du Panthéon. Tout. Panthéon, oui, ça marche. Mais ceux que t'as donné avant, ça marche aussi ? Bien sûr. C'est bon, on a gagné. Je voulais juste t'en faire perdre 3 secondes, c'est bon, c'est fini. Désolé, il y avait d'autres réponses possibles. L'Enfoiré, Vintage. Fugoro, Commando, Lithopédion, Stone, Cosmopolitani, Ultra, Stamina, IBCIT, Rooftop, bref. En tout cas, ça fait 20 points ici. Merci, Franck. Nous sommes donc à 58 à 18. Vous savez très bien que tout est possible dans rap-jeu. Déjà, une petite carte mystère ou une carte puriste ? Ah, purée, je crois, hein. Non ? Ou, je sais pas, dis, attends. Non, je dis rien. Moi, je la poisse depuis tout à l'heure. Même moi, ma gueule. Vas-y, puriste, t'inquiète, moi, j'ai la base. T'es sûr ? Quoi ? T'es sûr, frère ? Allô, quoi ? Bravo ! Bonus, DJ Khaled. Personne ne comprend bien ce que vous faites. Vous n'êtes plus beatmaker, pas vraiment DJ, mais aucune star ne vous dit non. Plus 10 points. Merci. C'est tellement mince ce que tu viens de faire. T'es sûr ? Je veux mettre un peu de... L'autre ! Je veux mettre blocs. Un peu de panache. Moi, là-bas, j'allais prendre deux trucs puristes. Hein. Franchement, je t'aurais demandé deux albums de P. Diddy, t'aurais pas aimé. Ouais, j'aurais pas aimé. Voilà, c'est bon ça. Mais ce carte mystère ou carte puriste ? Tu veux puriste ? Ouais, vas-y. Pour toi. Il avait été un temps, question d'un album commun entre Seth Gecko et Al Capote. Quel était son titre ? Ah. Oh putain, Sim le sort là. Oh non, Sim le sort, c'est beau. C'est 10 points, hein ? Attends. Oui, c'est que 10 points. Ce sera pas plus. Parce que moi, on y a joué avant et je l'avais pas.
Putain, je l'ai su. Fianso est parti se recueillir. Non, je l'ai su, putain, je l'ai su. Je l'ai su parce que je les voyais à cette époque, putain. Tu peux tenter un truc, tu ne risques rien sur une carte puriste. Y a pas de points en moins. Non, c'était le cauchemar parisien. Non, je l'aurais pas. Je l'avais pas du tout. 58-28, passons maintenant au clou du spectacle, le Roland Garros. C'est maintenant que tout se joue en réalité, avant c'était l'échauffement, le Roland Garros. Je rappelle les règles, notamment pour toi, Dahuzi. Merci. Qui ne l'avait pas lorsque tu étais venu. Ça va être très simple, on va faire plusieurs manches, mais je vais donner un rappeur. Par exemple, Jay-Z, je donne toujours cet exemple-là. Il faudra me donner avec qui Jay-Z a fait un feat. Par exemple, Beyoncé. Et là, avec qui Beyoncé a fait un feat. Ah ouais. Par exemple, Sean Paul. Ok, si tu m'en crois jusqu'à ce que si quelqu'un. Jusqu'à ce qu'on n'a pas le truc. On va commencer avec Sean. Sean de Locos. Ouais. Alpha 520. La première. Alpha 520. KER. Orozco, non, Orozco, laisse Orozco. Vas-y. Allez, on termine la première manche. On peut. Malik Bledos, sans Bastos. T'es fou, c'est grave ma carte ça. Samba. Ouais, sans Bastos, Ghetto Fab Gang. Qui? Zesso, Corias. Dissident. Qui a posé avec le cas dissident? Nesbill, putain, c'est vrai. Nesbill. C'est très beau là. Nesbill, Salif. Je peux. Ah, tu peux, oui. XS. XS, oui. Ouais, son gars de Nizet. Mais avec Nizet, ils avaient fait un feat avec qui? Attends que je me rappelle. Il y en a eu. C'est pour toi, Adéa. Attends, je peux le trouver. Attends. Je veux que tu le trouves. On a envie, on va laisser un peu. Ils avaient pas fait un feat avec Zoxy? Si. Allez, voilà. Je t'ai dit, moi. Je connais aussi. Bien sûr. Vas-y. Là, je suis en train de penser à un morceau entre ces quatre personnes. Zox, oh. Ça serait n'importe quoi. Zoxy, bah, tu peux m'aider. Ouais, là, je te vois pas. Non, Zoxy, c'est facile. Mélophilo. Ah ouais, mais ça, c'est. Ah ouais. Eh, hey, y a un nom que tu peux dire. Non, pourquoi? Parce que arrêtes pas dire ça. Danny Dan. Voilà. Oh, oui. Merci bien. Je vis pour entendre ça. Mon gars, j'écoutais quand j'étais petit. Normalement, c'est des points en plus, ça, mais bon, voilà. Danny Dan. Carrie. C'est beau, avec Black Vénère. Black Vénère. En fait, pourquoi on n'avait pas fait ça quand il était vu la première fois? C'est ton épreuve. Black Vénère. Black Vénère, ma gueule. On n'a pas un Joe Dalton sur un Black Vénère? Ah, c'est pas mal joué. C'est ta réponse, c'est votre on réponse. On n'avait pas un Joe Dalton sur un Black Vénère. C'est possible. Est-ce qu'on peut vérifier que Inch'Allah, ça passe. Black Vénère, Joe Dalton existe. En morceau, bien sûr, pas en interview. Tout ça doit exister, ça. Putain, tu sais, j'aurais dû dire qui quand il a dit Olcari? J'aurais dû dire Bella. Ouais, Bella. Là, c'était fin du game. Je peux dead, le morceau. Ouais, je peux dead, mais elle était sur un multi-artiste, avec Camus dessus, j'aurais eu. Oh. Ouais, mais Camus, après, je t'aurais dit Django Jack. Ouais, mais après, je t'aurais dit d'autres. Mais attendez, les gars, on est en train de faire une autre partie, là. Est-ce que ça existe? Le morceau n'est pas trouvable. On va faire une deuxième manche, on a envie de jouer. Mon Dieu, tu peux quand même donner les points. Bien sûr, 15 points pour vous. Voilà, merci. 15 points pour vous. Est-ce que vous voulez qu'on passe sur du rap américain ou on reste en France? On reste en France, très bien, on reste en France. Ouais. Oh, moi j'étais chaud aussi. Vas-y, après t'en fais un américain. Très bien. Je suis chaud. Tiens, Soché, il est chaud. Je peux pas te dire non. Kerry James. Rov. Vas-y, fais-le. Rov, il a fait des feats avec qui? Il y en a eu. Ouais, il y en a eu, ma gueule. Amel Bent. Ouh. Amel Bent. T'as un truc, Amel Bent? Hachik. Zamdan. Hein? Ouais, Zamdan. The Guerre, deux interventions, ouais, mais c'est des. Bat dans la niche. Lui, il vient, juste il tue. Il a pas envie de s'amuser avec vous, le gars. Vous n'êtes pas ses amis. Et en plus, c'est mon gars. Ah oui, c'est ça qu'il écrivait depuis tout à l'heure. Ah, mais c'est Zamdan. Bon. Eh, c'est bon. The Guerre, c'est sûr, il a fait un son avec lui. Arrête de m'étonner, c'est ton gars. Mais non, Zamdan, c'est un jeune artiste. Il y en a un très fort, d'ailleurs, Zamdan. Ouais, mais ma gueule aussi, faut donner des gens qu'on connaît aussi. Oh, mais quand tu nous as sorti des Black Vénère, il est. Ouais, mais c'est un jour à l'ancienne. Non, il prend du blaze en plus, il est là. Voilà qu'il est là. Là, c'est de la triche, là. Vas-y, attendez. Vas-y. C'est il a pas menti. 15 points pour vous. C'est carré. Normalement, les Black Card Napoléon viennent de gagner là. Mais je connais Fianso, il est joueur. Je connais The Guerre, vous êtes joueur. On fait une dernière manche? C'est une dernière manche? Bah oui. Allons. On joue pour 40 points. Pour 50 points. 50 points. 50. Oui. Alors, je vous dis Nekfeu. Nekfeu, Esprit Noir. Tu peux tuer, je suis sûr de là-dessus. Esprit? Je sais pas. T'as peut-être un feat que. The Guerre, vas-y, toi t'es dur toi. Dooms. Je sens que tu peux sortir un truc. Dooms, ça me dit c'est quelque l'entourage chose. Et tout, Gizmo. Je crois que Doom c'est là en plus, non? Tu valides que ce morceau existe? C'est incroyable! Regarde, il est là. Oh, c'est fou! Doom. C'est fou! Oh, trop on avait jamais vu ça dans la tête! Après, vous me donnez 10 points. Ah quoi. Oui! Tu rigoles, Mokless! Ouais, Mokless Mystery, avec mes sauces! Sur qui je peux te coincer avec you? Ouais, moi j'attends juste que The Guerre il arrive et il. Paris, en fait, j'y réfléchis, j'ai pas envie de sortir des. Ouais, je sais, tu parles pas pour rien dire. Allez, un nom. Allez, il faut dire un nom là. Sinon, c'est 50 points pour eux. Ils vont les prendre, les Ah, on va les prendre.
Alors, non, moi j'ai un blaze. Moi j'ai un blaze, mais. Ah, on n'est pas obligé de se tuer à chaque fois. Ah ouais, ça y est, c'est un blaze, ça y est, comme ça, ça joue en vite fait. Tu dis la crime, c'est trop facile. Allez, la crime. Allez, non. Mais non. Allez, la crime, allez, la crime. Ken Zafara. Ken Zafara, ok. Sefiu Molotov. Sacré. Suzax, S-E-Z-A-X, G-8, du G8. G8. Voilà, voilà. Baba du G8, ma gueule. Baba. Vas-y, Baba. Ah, on parle au Marzouz. Voilà. Vous les mecs de Marzouz. Dédicace aux gars de Marzouz, envoie les gars. Trop chaud, trop chaud. Quamen. Ouais, c'est vrai. Et lui, il en a pas fait beaucoup, poteau. Bon, alors moi, je te dis quoi? Je te dis ST4 clan, ma gueule. Vas-y, Quamen, ST4. Me lâche pas, mon gars, me lâche pas. T'as des Uzi sur les côtes, là. T'as intérêt à me trouver suite. Tu veux dire, frérot, frérot, ça existe pas. Pourquoi? Non, je te le dis. Pourquoi? Je te le dis à l'avance. Bah, tu vas, tape Skyblock, tout. Skyblock. Tout. Ça, c'est du rap à l'ancienne. C'est bon, continue la route. Attends, il a dit, je crois que j'en ai un. Là, va. On va voir, tout est possible. Et y'a pas Quamen, frère, c'est sur le même album, c'est l'album de Sefiu, ils sont tous dessus. Money Time avec Suzax. Tac, où tu vois, vas-y, où tu vois. Attends, oh, Patricio, dans le psychologique sur mon gars. Viran, tu te démerdes. Quamen, les seules apparitions qu'il a fait en feat, c'est sur les albums de Sefiu, frère. Et je te dis qu'il y a pas. J'ai envie de le croire parce qu'il crie fort. Mais... Non. Est-ce que tu peux regarder la vérité parce que. T'as eu Déa, c'est mon gars. J'ai pas envie de tricher avec lui, cherche. Oui. Mais est-ce qu'il y a ou pas? Non, pour l'instant. Quamen, ST4 clan, ça n'existe pas. On peut la rejouer, je pense qu'on peut la rejouer. 50 points ici. Je pense qu'on peut 50 points pour les Black Card Napoléon. Voilà. Je crois que c'est une victoire. Et je pense que c'est un écart édifiant qui n'a pas eu lieu tant de fois dans Rap Jeu. Mais comme on est très sportif, on était très contents de faire cette partie. Bah, t'es chaud, on en refait une. Mais là, tout de suite, on part avec la gagne. Attends, tout à l'heure, il a pas pu. Monsieur, messieurs, je vous quelque chose. Je vous pose une question puriste. Vas-y. Si vous la réussissez, on fait une dernière manche. Vas-y. J'espère que t'es bon. Ouais, mais vas-y aussi, réponds aux questions. Ouais, mais frérot, c'est que vous deux, ça. Je peux poser la question? Absolument. Tiens, ça, tu peux complètement la poser. Monsieur, vas-y. Non, c'est trop facile. Vas-y, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Vas-y, c'est bon. Si t'es trois albums d'MC Sola. Normalement, tu les as. Moi, je t'ai pas né, moi. Si tu si, mais c'est pas grave, poto. Moi, je connais que la chanson Caroline. Moi, je te laisse avoir. Mais c'est déjà bien, déjà. C'était un album, non? J'avoue, c'était pas un album, frérot. Solar Fleur. C'est pas un album. Ah, mais mettez la question qu'on connaissait, voilà. À chaque fois, il y a un bail. Je vais pas dire ça, les mecs. Mais les gars, c'est des questions précises. J'ai jamais écouté une chanson de MC Solar en entier. Repose-lui l'autre. La première? Ouais, celle-ci-là. Quel rappeur a fait un morceau sur les difficultés amoureuses quand on n'a pas la même culture en duo avec Karine? Avec Karine? Sur la vie de ma mère, si tu l'as pas. Ah ouais, c'est mystique, bah ouais. Oh, il l'a. Y'a pas ce qu'on aime, ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut, ce qu'on aime. Tu vois, c'est quoi? Il était trop fort. Ouais, t'as le refrain. Voilà. Tu vois, au début. Non, c'était le couplet. C'est pas ce qu'on aime, ce qu'il veut, c'est ce qu'on aime, ce qu'il veut. C'est pas un jeu de mots. Alors, ça mérite une dernière. C'est ça. C'est interminable. On part sur du rap américain. DMX. DMX. Mais putain, je peux le tuer. Oui. Mais je sais pas s'ils ont fait un titre. Mais y en a un, il est pas resté longtemps. Je sais pas de quoi tu me parles. Tu te rappelles du petit chinois? Jin. Jin, c'est lui. Non, vas-y, fais-le. Dis-le. Que Hakarab Beka parfois. C'est un bon tricheur, toi. J'ai entendu une réponse là-bas, je la joue direct. Mais t'as tricheur, toi. Il l'a dit, Kenzo. Donne la réponse. Jin. Jin. Jin d'AMC. J'explique, c'est quoi? Avant, il y a des émissions, t'as la télé qui rit, c'est des clashs. Et il y a un petit chinois, il est venu, il a gagné v'là les fois. Pendant des mois et des mois, il a gagné. Et un jour, il est revenu pour remettre sa ceinture en jeu. Et il est venu avec un pendentif Rough Rider. Et il venait de se faire signer par DMX. Voilà. Et donc, tout est pour son premier album, il a fait un titre avec son producteur DMX. Je vais vous donner un indice. Il y avait une meuf dans ce label aussi. C'était qui la meuf? Franchement, c'est Gérard. Voilà! La meuf, c'est Gérard, frère. Ouais, parce que, je vais révouer la victoire au moins trois fois aujourd'hui. Là. La vie de ma mère, gros. Là, t'es pas sportif, poto. Vas-y, je suis sportif, franchement, certes, les gars. C'est une victoire aujourd'hui des Black Card Napoléon. Bravo, messieurs. Merci. Et est-ce que vous pouvez venir là et faire la promo de Fianso et The Guerre, s'il vous plaît? On va devant. C'est le 9-3 comme jamais. Allez, pécho la direction. Vous serez dans la bonne direction. Je fais grave bien de la pub. Tout est bon. Pourquoi tu pars, t'as rien dit, frère, pour rien? J'ai dit le 21 mai, tiens, passe l'album. Moi, je veux parler de l'album d'ISK, c'est le 28. 28, aujourd'hui. Le 21, c'est Fianso. Le 28, c'est moi. Le 28, c'est le frérot. Voilà, allez, tester ça, vérité gay, ISK gars dans les bagages, comme jamais, cousin. Merci beaucoup, merci The Guerre, merci Fianso, merci ISK, merci Deus d'être revenu. Et on se retrouve dans deux semaines. Moi, tu me remercies pas d'être revenu. Je viens de dire merci ISK. Il y en a qui sont mauvais perdants ici. Acharné, ma gueule. ISK qui sort l'album Vérité, et non pas La Vérité, aujourd'hui même. Et d'ailleurs, il y a un feat avec monsieur, un feat avec ce monsieur, et peut-être un jour un feat avec le gars. Un feat avec les quatre, direct. Un feat avec les quatre. Le Posse Cut existera, et il aura été pensé ici. Bisous, à dans deux semaines.